nous approchons les chutes canadiennes ou les chutes fer à cheval. Ces chutes sont 52 mètres ou 166 pieds en hauteur, avec une longueur de 760 mètres ou de 2500 pieds. C'est ici que les cascadeurs sont venus chercher leur réputation. La première, en 1901, fut la maîtresse d'école Annie Taylor. On la pense âgée de 43 ans quand elle conclut les chutes renfermées dans un bac de bois, mais en effet, elle en avait 63. En 1960, un incident presque incroyable eut lieu. Roger Woodward, âgé de 7 ans, fut envahi par le chute, portant seulement un costume de bain et un veston de sauvetage.